Love me tender, love me sweet, never let me go. Super, merci. Alors tu m'enlèves tes lunettes, j'en veux pas, parce qu'il n'y a rien à voir, c'est eux qui te regardent mais c'est d'abord. Vrai. En fait, tu me fais le coup. Thank you very much beaucoup. Et maintenant, regarde, juste une chose, tu m'as fait une levée de bras sur une montée de notes. La, jamais. Si tu montes, tu retiens. Mais tu ne vas pas monter physiquement et au niveau de ton imaginaire avec une note qui monte. Ça, ce n'est pas possible parce que sinon, tu vas serrer en étau ton aigu au lieu de le détendre et de le porter. Ça va? Oui, ok. Ok. On va voir tout donc ça. Donc, je reste... Soit tu restes là, soit il part là. Si c'est un aigu, tu le plonges, mais tu ne vas jamais monter ton aigu. Ok? Alors, on se fait une entrée. Vas-y. Une entrée? Ouais, une entrée. Fais-moi une entrée. Tu m'as jamais fait faire ça pourtant. Eh ben voilà, tu me fais une entrée. C'est une première, on va dire. Donc je rentre quand je veux. Quand tu veux. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Ok, et là tu m'écrases tout, tu vois. Pour le so, tu le sens vocalement, tu as écrasé les côtes. You so, tu as besoin d'air. Donc tu ne peux pas faire so comme ça. Ok, c'est bien. Simplement, regarde, quand tu rentres, moi je veux bien que tu fasses une entrée sans rien et que tu chantes là-bas, il n'y a pas de souci. Mais si tu as déjà une expression et qu'il n'y a pas de voix, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Tu vois? Donc soit tu as déjà ton son et ton geste et ça va ensemble, soit tu n'as rien. Et ensuite tu démarres, love me tender, et ça accompagne. Et ton geste va accompagner ton son. Et là tu vas trouver la cohérence, pas seulement au niveau de l'esthétique ou de l'expression, mais savoir pourquoi ton geste va porter ta voix, ce qu'il va donner à ton son. Ok? Allez, trouve la cohérence entre les deux, reprends. Love me tender, love me sweet, never let me go. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled, for my darling, I love you. And I always will. Bien, tu commences à bien percevoir le rapport entre la voix, le corps et le geste. Hein, je sens bien. Donc c'était relativement juste. Donc on va le laisser tel quel et on va voir comment on peut utiliser ça et l'améliorer. Et je vous invite à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Faites-le, c'est gratuit.